sommes en période de confinement. Pour votre bien et celui de vos proches, restez chez vous. Ne sortez pas sous peine de verbalisation. Les agents sont tous portés volontaires pour aller dans les quartiers. Quand on voit un uniforme qui vous dit il faut un mètre de distance, mettez des masques, mettez des gants, les gens prennent plus facilement la chose que quand c'est quelqu'un qui est civil et qui vous le dit, quoi. Cet après-midi ou tout à l'heure, vous passez à l'accueil, vous demandez à la collègue qui est à l'accueil, il y a tout ça au vert, vous. Ah oui, d'accord, voilà. Merci. Le service de la police municipale est constitué de plusieurs brigades. La brigade de proximité, en premier lieu, on s'est créé du lien avec les commerçants, du lien avec les administrés, aussi avec les collègues de la police nationale, donc on est un relais. On a le pôle accueil qui permet de gérer un petit peu le flux des appels et surtout réorienter s'il y a besoin ou sinon de traiter par nous-mêmes. Police municipale, besoin, bonjour. Vous avez la plaque d'immatriculation ? Voilà, c'est en fait. Terminé. On a la brigade d'intervention qui, elle, est, comme son nom l'indique, est là pour intervenir sur tout ce qui est routier, les halls d'immeubles, la petite délinquance, les incivilités. Ensuite, on a la police de l'environnement. On va avoir un garde champêtre qui va arriver, qui va chapeauter cette brigade. On a aussi une application de Telma City qui nous signale des dépôts sauvages en temps réel. On reçoit ça et je me rends sur place, je constate, je relève, je prends toutes les informations, je fais des photos, je repars au COPS, je fais mon procès verbal et je donne tout au chef. Et puis on a une brigade d'ASVP qui, elle, est là pour tout ce qui est stationnement régulé, zone bleue, et puis les trottoirs, ce genre de choses. Ce sont des gens qui ont dans l'idée qu'on est service public, donc on a une mission bien précise et que cette mission doit être menée jusqu'au bout et sans faire de vagues. On doit préserver la sécurité de tout un chacun.